sommes très heureux d'être avec vous et nous bénissons notre Seigneur qui, dans sa grâce et dans sa miséricorde, nous conduit pas à pas dans cette semaine de jeûne et de prière. Et quant aux internautes, nous les saluons partout où ils sont, à travers le monde. Que la grâce de Dieu vous visite ce soir au nom de Jésus-Christ. Alors, donc, nous allons commencer notre premier message du soir. Nous avons déjà vu depuis hier les messages de l'après-midi sur la prière est efficace, la prière qui produit un résultat. Et ce soir, nous allons aller dans des messages d'ordre général, parce que c'est chaque midi qu'on va traiter la prière, mais les soirs, nous allons élargir notre message. Et notre premier message ce soir a pour titre « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ?» Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? La phrase semble être simple, mais lorsque nous la regardons, elle est le chapeau d'un chapitre important dans la Bible, Ésaïe 53. Ésaïe 53, c'est là-bas que cette phrase-là, Dieu l'a placée comme le chapeau donc de tout ce chapitre, Ésaïe 53. Donc, Ésaïe 53, verset 1, nous dit ceci, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Il y a deux questions qui nous sont posées, deux questions complémentaires. La Bible veut que nous puissions répondre chacun d'entre nous. Qui a cru d'abord à ce qui nous était annoncé, le message de l'Évangile? Et au travers de ce message-là, Dieu pose une seconde question. Qui a reconnu que le bras de Dieu était réellement engagé, impliqué dans tout ce qui s'est passé dans Ésaïe 53. Qui ose croire, qui accepte de croire que tout ce qui est arrivé, comme Ésaïe 53 le décrit, il y a le bras de Dieu lui-même là-dedans, ce n'est pas Satan, ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu lui-même qui est là et qui est en train d'agir sous nos yeux. Qui a cru, dit un, et qui a reconnu l'implication de Dieu, non pas comme les hommes le pensent, mais selon ce qui est écrit. Jésus-Christ défiguré, il n'est pas reconnaissable. Le châtiment de Dieu tombe sur lui. Il est frappé, non pas par Satan, frappé par le bras de Dieu. Alors, qui a reconnu cela? Qui a reconnu cela? Et qui ose croire à cela? Celui qui croit à cela, qui reconnaît le bras de l'Éternel, alors cette personne-là expérimente régulièrement ce que le bras de Dieu a fait en sa faveur. Et il y a tellement de choses qui sont dans la parole de Dieu que nous n'osons pas imaginer que Dieu est derrière tout cela. Nous croyons rapidement, notre pensée très humaine va rapidement sur le diable. Notre pensée d'analyste, notre pensée de raisonneur, tout de suite conclut que sûrement le diable est ici, alors que c'est Dieu en personne qui est en train d'agir sous nos yeux et que nous ne reconnaissons pas. Et nous n'osons pas accepter parce que ça va au-delà de la logique de la religion. Rien ne semble être réel. Alors, il y a quelques années, je lisais le témoignage d'un acrobate équilibriste qui a l'habitude de marcher sur des cordes qu'on tend entre deux points. Il prend un bâton, il marche sur la corde raide, et plus on élève la corde, plus ça devient une marche périlleuse. Et un jour, cet homme-là,
a invité les gens au Niagara Falls, c'est-à-dire qu'au chute du Niagara, au Canada. Et les gens sont venus il y a plusieurs années de cela. Et les journalistes sont arrivés. Ce monsieur a tendu une corde, une bonne partie sur les chutes du Niagara. Et il a commencé à marcher tout doucement, traverser cette partie sur laquelle il a placé la corde avec l'eau qui bouillonnait en bas. Il a demandé « Qui croit que je peux le faire ?» Tout le monde a dit « Oui, nous croyons que tu peux faire. » Quand il a fini, il est retourné, il a dit « Est-ce que vous croyez que je peux mettre une brouette sur la corde et traverser ?» Les gens ont dit « Nous croyons. » Alors le monsieur a pris la brouette, ça c'était vraiment périlleux, et tout doucement, il s'est arrêté un pas, il pousse la brouette et il est passé. Il a dit « Maintenant, qui croit que je peux transporter un homme dans la brouette ?» Tout le monde a dit « Amen. » Tout le monde a dit « Nous croyons. » Il dit « Maintenant, qui veut venir dans la brouette ?» Il y a eu silence complet. Personne n'a osé lever la main. Il dit « Mais pourtant, vous avez dit que vous croyez que je peux transporter quelqu'un dans la brouette ?» Il dit « Oui. » Mais qui croit qu'il vienne maintenant rentrer dans la brouette ? On va traverser les chutes. Personne n'a répondu. Parce que les gens croient facilement que Dieu est capable de tout. Oui. Dieu est-il capable de guérir les malades? Oui, Mamadou. Dieu est-il capable de chasser les démons? Oui. Dieu est-il capable? Oui. Dieu est-il capable de bloquer un chien enragé? Oui. Alors viens avec moi dans cette maison où on a écrit chien méchant. Ah non, non, c'est bon. On verra ça pour la prochaine fois. Nous croyons beaucoup de choses et notre croyance est formidable. Mais Dieu dit que toute croyance qui n'aboutit pas sur une action n'est pas la foi. La foi est une équation qui est égale croire plus agir. C'est une équation égale croire dans son cœur plus l'action qui montre que ce que vous croyez, vous le manifestez. Vous me regardez comme je viens de la lune. Comment vous avez marié votre femme? Vous avez d'abord cru et ensuite vous avez proclamé, vous avez agi. Si le monsieur le maire vous disait, aimez-vous cette jeune femme que vous voulez épouser, si vous dites, il faut que vous ouvrez votre bouche. N'essayez pas de faire des gestes, oui. Ça ne marchera pas. Vous devez croire et vous devez proclamer cela. Sinon, vous ne serez jamais marié. À la mairie, en tout cas, vous dites, monsieur, ce n'est pas possible. Donc, la Bible dit, si vous croyez ce que j'ai fait, montrez-le, agissez en conformité avec ce que vous croyez. Manifestez de telle manière que les gens voient à travers non seulement vos paroles, mais aussi vos actes, que vous croyez exactement ce que je viens de vous dire. Alors, si nous continuons dans cet esprit, la question, pourquoi Dieu pose cette question à son peuple, on peut lire dans 1 Corinthiens 2, 27, Dieu pose cette question-là, parce que les voies, les moyens, les solutions, les instruments que Dieu utilise pour accomplir son œuvre, sont des choses qui dépassent l'entendement humain, qui vont à l'encontre des méthodes humaines. 1 Corinthiens 2, et verset 27 nous dit ceci, nous allons lire les trois champions de Dieu, les trois champions que Dieu utilise pour faire des choses extraordinaires. Verset 27, « Mais Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. » Voici les trois champions de Dieu. Les choses folles, les choses faibles et les choses viles. Ce sont les trois compagnons de lutte de Dieu. Voici avec qui Dieu travaille. Quand on dit choses, vous mettez à la place des hommes, vous mettez à la place des femmes,
vous mettez à la place des moyens, vous mettez à la place des instruments. C'est ça que Dieu veut dire. Dieu utilise les choses qui sont folles aux yeux des gens, des moyens qui sont vils aux yeux des gens. Dieu utilise des instruments qui sont vraiment sans valeur aux yeux des gens, afin que le monde... C'est pourquoi Dieu dit, qui a cru? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Quand les Juifs, le peuple attendait le salut par le Messie, le peuple ne pouvait pas croire que cet homme qui est suspendu entre la terre et le ciel, entre deux voleurs, soit le sauveur. La Bible dit qu'il y a trois groupes de gens, parce que le roi a écrit le message que Jésus est le roi des Juifs en trois langues. Ces trois langues représentent le monde aujourd'hui. La première langue qui a été utilisée par le roi, c'est l'hébreu, qui est la langue de la religion. La plus parfaite des religions, c'était à l'époque l'hébreu. Donc Dieu a utilisé ce langage, du moins le roi a utilisé ce langage-là pour écrire que Jésus est le roi des Juifs. Et les Juifs ont dit, c'est un scandale. Nous ne pouvons pas croire que le Dieu si sage passe par un instrument, un moyen inventé par les Romains pour détruire et punir les voleurs, les brigands, qu'un Dieu si sage ose utiliser le moyen le plus vil, le plus misérable, le plus minable pour sauver l'humanité. C'est pourquoi les Juifs ont dit que c'est un scandale. Mais il y a un deuxième langage que le roi a utilisé, c'est le grec. Les Grecs représentent le monde des savants, le monde des intellectuels. Et ils ont dit non, c'est une simple folie, ils sont fous. Tous ces gens qui sont en train de crier dans une église là, qui pensent que la prière peut guérir quelqu'un, ce sont des fous. Ce sont des fous. Ils sont des fous. Comment quelqu'un peut rester sur une strade et puis proclamer que quelqu'un est guéri d'un cancer et puis les guérir? C'est de la folie. Ne les écoutez pas. Et les Grecs représentent le monde intellectuel, qui jusqu'à présent disent que la croix, c'est une folie. Quel est le coefficient de corrélation entre le salut d'un homme pour aller au paradis avec un homme qui est mort il y a 2000 ans sur une croix ignoble et il est mort le même jour que deux autres voleurs? Comment pouvez-vous dire, s'il vous plaît, que l'homme du milieu est le sauveur? Pourquoi pas celui de droite ou celui de gauche? Quelle preuve avez-vous pour nous dire que trois personnes qui meurent sur une croix, la même mort, la même condamnation, et vous dites que celui du milieu est le sauveur du monde? Pourquoi pas celui de droite? Pourquoi pas celui de gauche? Donc vous êtes des fous. Troisième groupe de gens que le roi a utilisé, c'est le latin. Ça, c'est la puissance politique. Rome dominait le monde entier. Rome dominait le monde entier. Et oser écrire sur la croix de Jésus que cet homme-là est le roi des Juifs, c'est entrer en rébellion contre l'autorité politique de l'époque, César. C'est pourquoi les Romains ont dit que c'est une rébellion. Alors, je vous pose la question. Trois groupes de gens sont devant la croix. Les gens les plus religieux, les hommes intellectuels et les politiciens. Tous les trois groupes ont dit que ce n'est pas possible. Que cet homme-là, ils n'ont pas cru au message, ils n'ont pas reconnu le bras de Dieu. La même question se pose à vous aujourd'hui. Oui, oui, je crois que Jésus est mort. D'accord. Mais crois-tu réellement le message qu'il a annoncé? As-tu reconnu le bras de Dieu? Si tu le reconnais, mais quel est le retour de cette croyance que tu as au message de Dieu sur ta vie? Quel est le retour? Croire pour croire, ça ne marche pas. Ces trois groupes ont rejeté. Mais le voleur de droite,
à force d'écouter Jésus, eux, ils étaient en train de prononcer des paroles négatives, des paroles insultantes. Mais à force de regarder Jésus et à écouter les quelques paroles que Jésus a dites, Père, pardonne-leur car ils savent ce qu'ils font. Cet homme a eu la révélation que ce Jésus qui mourait comme eux sur une croix semblable, la croix de Jésus n'était pas plus sainte que les autres croix. Ce n'était pas un bois lisse, ce n'était pas de l'or, c'était le même bois rugueux que Rome utilisait pour pendre, pour crucifier donc tous les malfaiteurs. Un voile a été ôté des yeux de cet homme-là. En écoutant le message de Jésus, il a reconnu le bras de l'Éternel. Il a dit, ce qui nous arrive à toi et à moi, c'est normal. Mais ce qui arrive à cet homme-là n'est pas normal, n'est pas dans la normalité, n'est pas quelque chose qui rentre dans le raisonnement de l'homme. Ce qui arrive à cet homme-là, je ne comprends pas tout, mais j'ai saisi la substance réelle de la mort de cet homme-là. Et il se tourne vers Jésus et dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Qu'est-ce qui s'est passé? Le voile a été ôté. Le peu de messages qu'il entend de Jésus, Père, Père, pardonne-leur. Brusquement, le voile a été ôté. Alors, ce soir, tu es chrétien. Tu viens à l'église. Tu fais beaucoup de choses. Mais je te pose la question. Quel est l'impact du message de Dieu, du message de l'évangile, du message de la croix sur ta vie? Le monde était tohu-bohu. C'est l'expression hébraïque du informe vide. Le monde était tohu-bohu. La terre était informe et vide. Les ténèbres, on ne parle pas de l'obscurité, on ne parle pas de la nuit. Il n'y avait pas de nuit, mon frère. Les ténèbres ont pris en otage la terre qui était informe et vide. Dieu ne s'est pas déplacé. Dieu était assis sur son trône. Il n'est pas ébranlé par les ténèbres. Il n'est pas ébranlé par le tohu-bohu de la terre. Si ce message, vous le laissez rentrer dans votre cœur ce soir, je vous assure, vous ne serez plus pareil. Dieu s'est assis. Dieu a regardé attentivement. Dieu n'a pas été inquiété par les ténèbres. Dieu ne s'est pas posé des questions, comment je vais faire? Dieu sait une chose, que la parole qui sortira de lui, la parole qu'il va prononcer, va être une parole peut-être insignifiante pour les anges, va être une parole peut-être qui n'a pas de sens pour le monde qui était là à l'époque. Mais cette parole-là, il sait que cette parole-là, si elle arrive à venir sur la terre, elle ne reviendra pas à lui sans effet. Et Dieu a envoyé simplement en disant que la lumière soit. Que la lumière soit. Et regardez ce qui s'est passé. Regardez comment le processus de refaire, restaurer la terre a commencé. C'est pourquoi Ésaïe nous annonce qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Et chaque fois que nous décidons de reconnaître, de croire à l'annonce du message de Dieu et de reconnaître l'implication du bras de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de la puissance de Dieu dans chaque cas que nous rencontrons, alors mon frère, ma sœur, il y a une lumière qui jaillit dans notre vie. Une lumière qui vient et séparer les ténèbres. Une lumière qui va donner un nouveau départ dans notre vie. Une lumière qui va mettre au dehors toutes les formes de ténèbres qui oppressaient ta vie, qu'elles soient spirituelles, morales, qu'elles soient physiques, de toute nature. La parole de Dieu ne peut pas aller et revenir
faites le compte rendu à Dieu, je suis allé et je n'ai pas pu. Qui a cru quand la parole est allée, quand Dieu dit à Isaïe, annonce au monde entier, annonce qu'un jour, la vierge, une jeune fille vierge enfantera. Annonce, n'aie pas peur. Dis la parole. Ils peuvent te traiter de fou. Ils peuvent te traiter d'insensé. Mais annonce la parole. Ésaïe a pris son courage à deux mains. Il a annoncé et il a écrit dans Ésaïe 7, Ésaïe 9, Ésaïe 11, etc. Jusque dans Ésaïe 53 où il parle de la croix. Dès le moment où Ésaïe n'a pas eu peur d'annoncer dans Ésaïe 7 que la Vierge concevra, il n'aura pas peur d'annoncer que l'homme là qui sera conçu par la Vierge est le même homme qui mourra comme un bandit dans Ésaïe 53. Il ne comprenait pas tout ce que Dieu disait, mais il a cru et il a annoncé et il a reconnu le bras de l'Éternel. Quand cette parole, 700 ans plus tard, lorsque Ésaïe était parti dans l'éternité, quand Ésaïe est rentré dans la gloire, sans avoir vu la Vierge enfantée, Ésaïe ne s'est pas inquiété. Ésaïe sait une chose, quand Dieu dit quelque chose, il va veiller pour l'accomplir. C'est lui qui l'a dit dans Ésaïe 55, versets 10 et 11. C'est lui qui l'a dit encore. Les gens ont dit à Ésaïe, tu t'en vas, mais la Vierge n'a pas enfanté. Il dit, mes frères et sœurs, je ne comprends pas, je vous annonce, lisez mon chapitre 55, vous allez trouver la réponse. De même que la pluie ne descend pas du ciel sans avoir arrosé, fécondé, germé, fait donner la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et qui ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli mes desseins, dit la parole de Dieu. La parole là, vous la verrez s'accomplir. Et un jour, Dieu dit à Gabriel, regarde cette jeune fille qui est à terre. Gabriel, regarde, c'est la jeune fille d'Ésaïe. Elle s'appelle Marie. Va lui dire que c'est elle qui a été choisie pour porter l'enfant divin dans son sein. Qui a cru? Dieu cherche des gens qui croient. Cette jeune fille qui est une impossibilité humaine sur le plan gynécologique, l'ange lui dit, tu as été choisi, une grâce a été faite. Il dit, tu seras enceinte. Mais il dit, je ne connais pas d'homme. L'ange dit, non, le message dépasse ta capacité d'analyse. Le message dépasse ton intelligence. Est-ce que tu crois à ce message-là qui semble être une folie? Mais pourtant, je n'ai jamais vu une femme enfantée sans homme. Mais l'ange lui dit, je ne te demande pas d'analyser, de raisonner. Acceptes-tu cette parole? Marie dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et l'homme le Tout-Puissant va te couvrir. Et le Saint-Enfant, écoutez-moi frères et sœurs, Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. C'est ça que Dieu attend, qui a cru qu'il me soit fait selon ta parole. Et là, le Saint-Esprit, comme le jour de Genèse 1, le même Saint-Esprit, quand Dieu a parlé que la lumière soit, et que le Saint-Esprit a pris cette parole pour créer tout un nouveau départ, le même Saint-Esprit est venu sur Marie avec la parole et a mis dans le sein de Marie cette semence divine. Qui a cru? Qui a cru? Jésus dit à Marie et Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois au message que je t'ai envoyé, Marie, Marthe, vous avez oublié, il y a quatre jours en arrière, quand vous avez envoyé quelqu'un venir me voir pour votre frère, je vous ai dit une parole qui semble être étrange. Je vous ai dit que cette maladie n'est point à la mort. Ça veut dire quoi? Cette maladie va aboutir à la mort, mais elle n'appartient pas à la mort. Voilà ce que ça veut dire. Ce n'est pas une phrase mystique. Elle n'est point à la mort. Elle va aboutir à la mort, mais la mort n'en tirera pas une gloire, car c'est moi qui en tirerai une gloire. Le Fils de l'homme sera glorifié. Le Fils de Dieu sera glorifié. Ne t'ai-je pas dit cela? Marie, t'ai-je pas dit? Qui a cru au message? Alors Jésus dit, puisque j'ai parlé
Je viens pour accomplir ce que j'ai dit il y a 4 jours. Et Marthe dit, Lazare est pourri. Jésus dit, écoute-moi Marthe. Quand une parole est donnée par Dieu, n'essaie pas d'apporter des circonstances qui vont essayer de bloquer la parole de Dieu. Il dit, Marthe, roule la pierre. Même si Lazare sent, roule la pierre. Je t'ai dit il y a 4 jours que Dieu doit te glorifier. Et Jésus s'arrête et dit, Lazare, sors. Écoutez-moi, frères et sœurs. Quelle est votre expérience de la parole de Dieu? Quelle est l'expérience? Quelle est l'expérience de la parole de Dieu? Quand vous êtes devant une situation où votre raisonnement dit le contraire, vous dit le contraire. Sur quoi vous vous appuyez? Sur quoi vous vous appuyez? Quand David est venu trouver à Siklag que toute sa famille est partie, que ses meilleurs soldats qu'il avait entraînés pour faire d'eux des vaillants héros, des vaillants, ont pris des cailloux, veulent le lapider. Il est dit que David s'appuya sur l'Éternel. Est-ce que Dieu était une canne pour s'appuyer sur lui? Comment un homme entouré par ses meilleurs soldats avec des cailloux en main, prêt à le lapider, et on vous dit, cet homme-là, malgré cette situation, s'est appuyé sur l'Éternel. Est-ce que Dieu était un rocher? Est-ce que David a fait une gymnastique? Alors, qu'est-ce que veut dire David s'appuya sur l'Éternel? Et qu'est-ce qui a désamorcé cette crise-là? En s'appuyant sur l'Éternel, qu'est-ce qui a fait que ces hommes qui connaissent bien David ont déposé un à un les cailloux et ont dit, chef, nous sommes prêts à te suivre. Frère, tant que vous n'allez pas expérimenter la parole de Dieu dans sa substance, vous allez peut-être utiliser ça comme cela. Vous allez en parler. Quand on vous dit que la foi vient, la foi est une dynamique. Elle est liée à quoi? À la parole. La foi vient. La foi est, ça c'est sa définition, mais elle vient. Ça c'est sa dynamique. Il faut d'abord que la dynamique se manifeste avant de définir la foi. Si vous connaissez simplement la définition de la foi, sans voir la dynamique de la foi, à quoi elle est liée, la foi ne bougera pas. Définir la foi comme une ferme assurance, une démonstration, ne vous sera pas utile. Elle est liée à quelque chose d'important. C'est très important, frères et sœurs. Tant que vous n'avez pas expérimenté la parole semble être des promesses. C'est pourquoi les gens disent que c'est une promesse. Non, Dieu a parlé, Dieu, non, c'est une promesse. Ce que je vous dis, c'est une réalité. Je vous ai déjà raconté, il y a 2 ans, quand ma fille était morte dans cet hôpital américain, là, gonflée, sa langue et tout, et les Américains m'ont dit, monsieur, votre fille est morte, on va enlever tout, parce que son cerveau ne fonctionne plus. Sur quoi je me suis appuyé pendant 15 jours. Chaque jour, je rentre dans l'hôpital. Tout le monde me regarde en riant. Nous signons les documents de décharge. Chaque jour, je rentre à son mari. Nous rentrons et on part s'arrêter au-dessus du corps de ma fille. Nous regardons, rien ne bouge. Rien, rien. Mon cerveau dit, tu es un fou. Mon cerveau me dit, tu es fou. Le président de l'hôpital est venu. Le chirurgien est venu. Tous sont venus pour me convaincre de lâcher, on va l'enterrer. Soit je suis un fou ou je m'appuie sur quelqu'un. Sur quoi je me suis appuyé? Est-ce que c'est une folie, une foi de folie, un homme qui est déséquilibré? Non, mon frère.
expérimenter la parole. La parole est réelle. La parole, frère, elle est plus réelle que vous et moi. Quand vous rentrez dans ça, il y a une certitude. Tout le monde peut rire. Tout le monde peut se moquer. Mais il y a une certitude que Dieu est une réalité. Une réalité qui dépasse. Parce que nous ne confondons pas la réalité divine avec les réalités de certaines choses qui sont là. Alors, ce soir, Dieu dit que lui, il utilise les choses viles, les choses folles et les choses faibles. Nous allons prendre une étude de cas simplement. J'aime l'étude de cas. C'est vrai que je suis économiste, je fais le commerce et tout. Mais les études de cas, c'est dans tous les domaines. C'est-à-dire, c'est simplement étudier un élément qui nous permet de tirer des leçons pour les appliquer dans un autre domaine. L'étude de cas ce soir, là, c'est dans... voici un peuple qui est esclave pendant 430 ans. De génération en génération, les grands-parents sont morts. Et maintenant, ils sont 430 ans esclaves dans un pays qu'on appelle l'Égypte, la plus grande puissance de l'époque. L'Égypte était la puissance militaire, économique, la puissance politique de l'époque. Et Pharaon était la superpuissance, comme aujourd'hui on parle de certains pays comme superpuissance. Et voici, il y avait un petit peuple là, qui était esclave dans ce pays-là. Et Dieu, dans sa grâce, veut les libérer. Dieu va annoncer encore la parole. Il va parler. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu a regardé ce peuple qui crie, qui pleure, ce peuple qui gémit. Et Dieu va parler. Il va s'adresser à un homme appelé Moïse, qui a 40 ans en arrière avait échoué, lamentablement, qui est rempli de culpabilité, rempli de complexes d'infériorité, dont le passé est lié comme une corde à ses pieds. Voici une chose vile que Dieu va utiliser. Moïse n'était pas un champion. C'était un homme qui avait échoué. C'était un misérable qui n'osait plus regarder Dieu en face. Un homme qui ne connaissait que le langage des moutons de son beau-père. 40 ans avec des moutons, vous devenez le 50e mouton. Non, c'est important, frère, que nous comprenions ces vérités. Mais Dieu n'a pas choisi un homme qui était vaillant. Quand Moïse était vaillant par lui-même, il a essayé de libérer son peuple, ça a été un échec. Dieu dit, attends, quand tu seras une chose vile, une chose folle, je vais t'utiliser. Ah bon, Seigneur, il faut que j'attende ça. Oui, attends-le. Et c'est en ce moment que Dieu a commencé à intervenir. Dieu lui dit, j'ai vu. Dieu lui dit trois phrases. J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ses cris et je suis descendu. Il dit, Moïse, tu es l'homme du jour. Tu es l'instrument que j'ai choisi. Moïse dit, non, qui suis-je? Regardez comment il est tombé. Il a perdu son identité. Il dit, qui suis-je? Qui suis-je? Cette phrase est très importante. Ça peut faire l'objet de tout un séminaire. Qui suis-je? Dieu dit, ah bon, tu es tombé si bas que tu ne sais même pas quelle est ton identité. Dieu dit, mais moi je sais qui je suis. Moi je m'appelle, je suis celui qui suis. Toi tu ne sais pas qui tu es, moi je sais qui je suis. Et quand je suis celui qui suis, est avec quelqu'un qui ne se connaît pas, quand un 1 se place devant un 0, le 0 part de 0 à 10. Oui ou non? Si vous écrivez un 0, c'est égal à 0. Si vous mettez un 1 devant, vous avez quoi maintenant? 10. Moi, je m'appelle 1. Toi, tu es 0. Quand 1 et 0 se mettent ensemble, ça fait 10 sur 10. On va avancer ensemble. Ne t'inquiète pas, Moïse. Écoutez, frères et sœurs. Dieu n'a pas besoin que vous soyez un géant pour vous utiliser. Tout le principe de la Bible est sur ça. Dieu n'a pas utilisé un Gédéon vaillant. Il a utilisé un Gédéon qui était un zéro à ses yeux. Mais Dieu l'a appelé vaillant héros.
Dieu n'a pas utilisé un David qui était le chef, qui était un général de l'armée de Saül. Dieu a utilisé un David, simple berger. Donc, le Seigneur va parler à Moïse. Moïse discute. À la fin, Dieu dit à Moïse, non seulement tu es le choix du jour. Et Dieu lui dit, mais Moïse, comprends ce que Dieu veut dire. Moïse a vécu 40 ans chez Pharaon. Il a été programmé pour être le futur Pharaon. C'est en ce moment qu'il a échoué, il a fui. Il connaît la force de frappe de Pharaon. Il connaît les chars de Pharaon. Il a grandi là-bas, il a vu les magiciens de Pharaon. Il connaît tout cela. Comment un simple homme, totalement dénudé aujourd'hui, ayant oublié tous les principes de guerre, ayant tout oublié, n'ayant aucune armée avec lui, peut-il aller pénétrer en Égypte, libérer ce peuple-là qui était esclave pendant 430 années de la mer de Pharaon? La question est là. Moïse a dit, non Seigneur, personne ne me croira. Quand j'étais encore officier de l'armée, quand j'avais des chars, des gardes-corps, je suis allé dans le camp, ils ne m'ont pas reconnu. Comment un simple berger maintenant, sans rien? Mais Dieu dit, qu'as-tu dans la main? Qu'as-tu dans la main? Il dit, un bâton, c'est mon bâton que j'ai coupé. Avec ça, je conduis mon troupeau. Dieu dit, jette le bâton. Il jette, ça devient un serpent. Dieu dit, ce bâton-là, prends-le et rentre en Égypte. Quand Moïse a écouté, accepté le message que Dieu lui a donné, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Moïse a lutté, à la fin il a abdiqué, il a reçu le message de Dieu, et c'est avec ce bâton simple qu'il rentre en Égypte. Qui a cru? Qui a reconnu que dans ce bâton-là, il y a le bras de l'Éternel? La question nous suit tous les jours. Moïse a reconnu que ce bâton-là, il y a le bras de Dieu. Parce que Dieu dit, ce bâton-là, il y a des signes, des prodiges, des miracles dans ce bâton. Donc, reconnais-le comme le bras de Dieu. Ce bâton, en pénétrant en Égypte, c'est le bras de Dieu qui va pénétrer avec toi en Égypte. Moïse a fait des miracles et des miracles. Avec ce bâton, il a fait des miracles. Mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est que les miracles ont leur raison. Les miracles ont leur part. Malgré ces grands, grands miracles, Pharaon est resté insensible. Pharaon est resté inébranlable. Pharaon n'a pas pu libérer le peuple. Et nous devons accepter d'être des instruments pour que Dieu fasse des miracles à travers nous. Mais je vous ai dit, les miracles, c'est l'amour, la miséricorde de Dieu envers son peuple et pour démontrer aussi que lui est le Dieu Tout-Puissant. Si nous arrêtons à ce niveau-là, nous risquons de manquer beaucoup de choses. Beaucoup de gens ont bénéficié des miracles au temps de Jésus. Beaucoup de personnes ont vu et ont bénéficié des miracles au temps de Jésus. Mais ces mêmes personnes-là se sont arrêtées et ont dit, crucifie-le. Se sont arrêtés et ils ont dit, crucifie-le. Jésus les regardait. Jésus voyait dans la foule des gens qui ont été guéris. Jésus voyait dans la foule des gens qui ont bénéficié de son ministère. Mais, mon frère, ma soeur, le miracle, c'est la miséricorde de Dieu pour montrer que Dieu est bon, Dieu est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bonté pour manifester envers les hommes. Maintenant, après tout ce temps-là, Dieu, nous allons lire dans Exode 3, Exode 12, s'il vous plaît, Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel, quelque chose, un nouveau départ va se manifester. Dans cette semaine de jeûne, vous pouvez recevoir vos bénédictions dans la chapelle quand vous priez, vous pouvez recevoir des bénédictions ici dans la salle, au moment où on loue le Seigneur. Vous pouvez recevoir vos bénédictions à travers. Donc Dieu vous donne trois opportunités pendant la semaine. La prière dans la chapelle, la louange ici avec des paroles de connaissance et au travers de la parole de Dieu. Donc il y a trois moyens que Dieu veut utiliser. Si tu n'as rien reçu là-bas, viens pendant la louange, l'adoration. Dieu se manifeste. Et où? Pendant la parole. L'un des trois moyens que Dieu te donne pour que cette semaine-là soit une semaine fructueuse pour toi.
ne néglige aucune de ces trois, on ne néglige aucun de ces trois moyens. Le temps de prière, l'autre côté, le temps de louange ici, parce que Dieu habite dans la louange de son peuple, et le temps où la parole est prêchée, parce que la parole de Dieu est puissante, elle ne vient pas à Dieu sans avoir accompli la volonté de Dieu. Donc, prépare ton cœur, ne viens pas simplement pour t'attendre à des hommes. Non, ne viens pas pour dire, si c'est tel pasteur qui prie pour moi, il y aura telle chose. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant, mon frère. Tu as trois opportunités que Dieu te donne. Regardez, d'abord, première opportunité, c'était le bâton de Moïse. Il a fait des miracles et des miracles, mais il n'y a pas eu de délivrance. Dieu dit à Moïse maintenant, dans Exode 12, au verset 1, il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Dieu va changer un calendrier, son calendrier. Dieu a changé le calendrier deux fois. Quand l'agneau animal est venu, ça c'est au temps de Moïse, quand l'agneau divin est venu, Jésus, le monde n'existe pas il y a 2012 années. Le monde existe plus que ça. Mais pourquoi maintenant nous sommes en 2012? Bah, Dieu a changé le calendrier avec la venue de Jésus. Comme au temps de Moïse, Dieu va changer le calendrier. Le monde n'existait pas. Le premier calendrier que Dieu a donné, c'était depuis Adam. Mais pourquoi Dieu a changé le calendrier? C'est à cause de ces deux agneaux-là qui sont faibles, qui vous allez voir l'impact maintenant sur la vie des gens de Moïse et notre vie aujourd'hui. Deux calendriers. Nous aimons fêter Noël. Tout le monde tombe dans ce piège de Noël. C'est bien. Mais la réalité, ce n'est pas Noël. La réalité, c'est le 1er janvier. L'année 2012 est liée par rapport à qui? Ce n'est pas par rapport au monde. L'année 2012 est liée par rapport à qui? Dieu a tout ramené sur Jésus. Simplement. Il y a 2012 années, Jésus est venu sur la terre. Un point, c'est tout. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas scientifique, ce n'est pas psychologique, ce n'est pas religieux. 2012 est lié à la venue de Jésus sur la terre. Un point, un trait. Il n'y a pas autre chose. N'y réfléchissez pas. Tu es en train de chercher, tu vas chercher quoi? C'est 2012 et par rapport à Jésus. C'est un fait, c'est un fait. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Même ceux qui n'aiment pas Jésus là, ils sont soumis à l'année 2012. Mais si tu vas à la banque, que le banquier aime Jésus ou pas, si tu mets que toi tu n'aimes pas l'année 2012, c'est lié à Jésus. Tu mets l'année 2015, du moins tu mets l'année 640. L'ordinateur rejette. Et les banquiers me refusent. Donc le monde, Dieu est comme ça. Dieu a soumis un calendrier au temps de Moïse et Dieu a soumis le monde à un autre calendrier au temps de Jésus. Les deux agneaux, le premier agneau animal et le second agneau, l'agneau divin. Dieu change de calendrier. Et si Dieu change de calendrier, Dieu a un nouveau message. Si Dieu a un nouveau message, il a un nouveau départ. Si toi, tu ne suis pas Dieu, quand il change de calendrier, il change de message, il change de départ pour toi, alors tu restes en arrière. Dieu va changer. Il dit, ce mois-ci, là, Moïse, c'est le premier des mois. Je change votre calendrier. Établissez un nouveau calendrier. Établissez un nouveau calendrier. À partir de ce mois-là, je change votre destinée, votre passé. Mais c'est lié à quoi ce mois-là? Il dit ici, dans le verset 3, il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Quand Dieu change un calendrier, c'est toujours pour la famille. Dieu a changé le calendrier pour la famille. Tout le monde doit bénéficier de ça. C'est pourquoi quand le geôlier a dit à Pierre, à Paul, que ferais-je pour être sauvé? Paul l'a répondu au pluriel. Lui, il a dit, que ferais-je pour être sauvé? Paul dit, non, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alors, chrétien, je pose la question. Est-ce que ceux qui sont ici, là, que Dieu va sauver là, de la main de Pharaon, là, de l'esclavage de Pharaon, est-ce qu'ils sont meilleurs du point de vue
vie quotidienne par rapport aux Égyptiens? Non. Écoute, à cause du fait que Dieu a une alliance avec Abraham, ces hommes-là, quand ils vont faire ce que Dieu dit de faire, qui semble être une folie, et c'est ça qui va sauver toute leur famille. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Dire qu'un chrétien, c'est normal. C'est, parfois, nous disons, mais Seigneur, mais nous sommes chrétiens, mais nos enfants font ceci. Nous, non, la Bible, non. Écoutez ici ce que Dieu va faire. Dieu dit à Moïse, dit à chaque père de famille, dans cette assemblée d'esclaves-là, que chacun prend un agneau ou un chevreau ou une brebis, qu'il prenne ça, et que le 14e jour, entre les deux soirs, qu'il l'immole, et qu'il prenne le sang de cet agneau-là, avec de l'hysope, et qu'il asperge sur les linteaux des portes et sur les deux poteaux. Ce n'est pas fini. Et ils vont manger la chair de cet agneau animal-là, donc avec de l'herbe, des herbes amères. Voici le plan de Dieu qui n'a pas changé. Ce qui est dans Exode 12 se trouve avec Jésus-Christ. On le trouve encore dans 1 Corinthiens avec la Sainte Cène. Tout est là sous vos yeux. Regardez bien si le sang d'un agneau animal a pu libérer les gens de l'esclavage de Pharaon et vous prenez la Sainte Cène chaque dimanche et vous n'êtes pas libéré, vous n'êtes pas guéri. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas quelque part. Je vous dis là, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Dieu dit, prenez le sang, nous buvons le sang. Et ils n'avaient pas le droit de boire le sang parce que le sang des animaux. La seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est de badigeonner leur porte et leur chose avec le sang. Mais ils devaient manger la chair de l'agneau avec des herbes amères. Pourquoi Dieu exige cela? Dieu dit, voici la parole qu'il annonce, ce mois-là est le premier mois et de l'année. Il dit au verset 12 maintenant, il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Est-ce que Dieu a dit que les Égyptiens étaient inférieurs aux Israélites? Non. C'est ça l'annonce de l'évangile. Dans les maisons, dans le camp égyptien, il y avait des enfants voyous. Dans le camp israélite, il y avait des enfants voyous. Il y avait des voleurs de chaque côté. Écoutez, le message de la grâce, il est incompréhensible dans beaucoup de choses. Le message de la grâce, c'est le message de la grâce. Ce n'est pas le message du mérite. Ce n'est pas le message que je prie depuis 15 ans pour mes enfants, ils ne sont pas convertis. Non, voici quelque chose va se passer. Voici des familles qui sont esclaves. Il y a longtemps, ils sont déconnectés avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à vivre même comme les Égyptiens. Ils ne vivaient plus dans la sanctification. Ils ne vivaient plus dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ils ont développé une autre mentalité en Égypte. 430 ans d'esclavage, ça les a totalement moulés. Mais Dieu vient dire à ce peuple-là, il vient dire, vous, ce que je veux voir une seule chose, une seule marque, un seul signe. La marque de Peugeot, quand vous la voyez, vous la reconnaissez. La marque de Mercedes vous indique que cette voiture est une voiture Mercedes. La marque de Chevrolet vous dit que c'est une Chevrolet. Donc la marque, Dieu dit, la seule chose que je veux voir dans la vie d'un croyant, de quelqu'un qui a une alliance avec moi, c'est le sang. Quand je verrai le sang, je passerai. Et quand le destructeur viendra, il ne pourra pas détruire. Peuple de Dieu, où est la marque du sang dans ta vie chrétienne? Ta vie chrétienne est sans sang. Ta vie chrétienne ressemble aux deux parties du tabernacle, le lieu saint et le lieu très saint. Quand on regarde le lieu saint,
Il y a la table des pains de proposition. Il y a le champ, il y a le chandelier. Tout est artificiel dans le lieu saint. Et là-bas, dans ce lieu saint, tous les sacrificateurs rentrent chaque jour, à chaque instant. Parce qu'il n'y a pas de trace de sang. Et comme il n'y a pas de trace de sang dans le lieu saint du tabernacle, Dieu était absent dans le lieu saint. Mais si vous allez derrière le rideau, là où il y a Dieu, pour y entrer là-bas, la seule marque que Dieu veut voir pour quiconque rentre dans le lieu très saint, c'est le sang. C'est le sang que Dieu doit voir. Si Dieu ne voit pas le sang, vous mourrez. Quelle est la marque? Dieu n'a pas dit, soyez bon pour que je vous sauve. Dieu veut voir une seule marque. Dieu a dit à Israël, le seul moyen d'être sauvé de la main de Pharaon, c'est le sang. C'est le sang. Dans votre vie chrétienne, quelle est la relation entre vous et le sang? Jésus est mort à la croix du calvaire. Ce n'est pas une propagande. Quelle est votre relation? Le mystère du sang est plus grand que ce que nous pensons. On n'a pas le temps de développer. Le mystère du sang est plus grand que nous pensons, frères et sœurs. Même les féticheurs africains comprennent le message du sang plus que beaucoup de chrétiens. Ils comprennent l'importance du sang, même le sang des boucs et autres choses qu'ils font dans les pratiques et occultes là. Ils comprennent l'importance du sang que beaucoup de chrétiens. Mais malheureusement aujourd'hui, la plupart des chants qu'on chante, on ne voit pas de temps. Les gens peuvent chanter 3 mois, 6 mois, on ne parle pas du sang. On ne parle pas du sang. On parle des grandes choses que Dieu fait dans nos vies, les bénédictions. Mais tout est basé sur le sang. La seule base, Dieu dit, je veux voir le sang. Si je ne vois pas le sang dans ta vie, alors la destruction vient, le destructeur vient. Le destructeur vient. Le sang. La Bible dit dans Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont séparés de Dieu, éloignés de Dieu. Et dans Éphésiens 2, 13, Paul répond, puisque le péché a éloigné les hommes de Dieu, le péché a privé les gens de Dieu, Dieu a utilisé le moyen du sang pour rapprocher les gens de lui, pour réconcilier les gens avec lui. Alors si toi tu négliges ce sang-là dans ta vie, comment tu seras rapproché, comment tu vas vivre? N'as-tu pas lu dans Hébreux 10 qu'il y a 3 choses qu'il ne peut pas faire? Le péché volontaire. Le péché volontaire, ce n'est pas de mentir volontairement. Tout le monde pêche volontairement. Quand on parle du péché volontaire dans la Bible, on ne parle pas de quelqu'un qui a commis adultère. Tout le monde, on ne commet pas adultère de façon involontaire. On ne ment pas de façon involontaire. On ne vole pas de façon involontaire. Tout ça, c'est des péchés volontaires. Mais quand on parle du péché volontaire dans la Bible, on ne parle pas de l'adultère ou autre chose. On te dit dans Hébreux 10 ce que Dieu a fait avec le sang. Qu'est-ce que le sang a fait? Comment tu as une libre entrée dans la présence? Il dit, mais si tu négliges cette vérité-là, quelque chose va se passer. Tu vas faire quoi? Tu vas piétiner. Tu vas négliger le Fils de Dieu. Tu vas outrager l'Esprit de la grâce. Et tu vas vulgariser le sang par lequel tu as été racheté. Il dit, en ce moment-là, il n'y a plus de salut pour toi. Ce n'est pas l'adultère qui est le péché volontaire. Non, c'est le fait que Dieu a donné le message. Dieu dit que l'esprit, l'eau et le sang sont les 3 témoins, sont d'accord. Il dit dans Hébreux, il dit, mais si toi tu outrages l'esprit de la grâce, si tu méprises ce que le Fils a fait, l'eau, la parole, et si tu piétines le sang de Jésus-Christ, il dit, il n'y a plus de moyen de salut pour toi. Il n'y a plus de moyen de salut. Il n'y a plus de moyen de salut. Dieu dit à Moïse, fais ça et dis à tes gens de faire. Et vous devez rester sous le sang. Dans le verset 22-23, vous devez rester sous le sang toute la nuit. Quiconque quittera le sang, il n'y a plus de garantie pour lui. Nous sommes placés, notre seul lieu, le psaume 91, notre seul abri, notre seul lieu, c'est le sang de Christ. Notre seul lieu d'assurance,
c'est lorsque nous sommes conscients de ce que le sang de Christ a fait pour nous. Et que lorsque régulièrement nous plaidons les mérites de ce sang-là et que nous invoquons la puissance de ce sang-là, alors frères et sœurs, nous sommes dans un lieu de sécurité. Un lieu de sécurité. Mais le monde moderne ne veut pas entendre parler du sang. On dit ça fait peur aux enfants. Le diable est trop rusé. Il a amené l'église moderne où on a enlevé tout ce qui semble être sauvage, le sang. Tout ce qui semble être violent, le sang. Et il a fait mettre des choses qui ressemblent. Comme lorsque Israël, Nebuchadnezzar est arrivé en Israël. Il a amené tous les instruments en or, tous les ustensiles en or. Et Israël a fait à la place des instruments, des assiettes en airain. Et pour remplacer les choses, les objets d'or. Et qu'on voulait servir Dieu avec ça. Ça ressemblait à de l'or. Ce n'était pas de l'or. Ça ressemblait, mais ce n'était pas de l'or. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu que Dieu est dans cette affaire de sang? Qui a reconnu? Mais Seigneur Dieu, il faut être un peu hygiénique. Comment tu vas nous demander de prendre du sang, mettre sur nos maisons? Tu ne sais pas que si le sang sèche, ce n'est pas hygiénique. Dieu dit, mon ami, si tu ne mets pas le sang, la mort viendra, toi-même tu seras déshygiénique. N'essaie pas de raisonner avec Dieu. Dieu te dit de faire. La même nuit, écoutez frère, la même nuit, chaque père, j'ai dit que ça c'est le nouveau calendrier, c'est le salut de la famille. Chaque père de famille, en regardant ses enfants, il sait que tous les enfants ne sont pas corrects. Il sait que les enfants, il y a des enfants voyous là-dedans, il y a des enfants voleurs, il y a des enfants rebelles, des drogués, mais ce n'est pas un problème. Moïse a dit d'appliquer le sang. Est-ce que tu appliques le sang sur ta fille qui est sortie? Ton enfant qui est dans la drogue là, as-tu aspergé le sang sur lui et le sang a été incapable de briser les liens de drogue de ton enfant, les liens d'impureté, de la masturbation, de la pornographie? Le sang de Christ Jésus? Le nom et le sang sont liés étroitement. As-tu invoqué au nom de Christ Jésus la puissance du sang sur ton enfant rebelle et Dieu n'a pas brisé ces liens-là pour ramener l'enfant? Non, ma soeur, non, mon frère. Les mauvaises habitudes que tu entretiens, as-tu invoqué toi-même le sang sur ces mauvaises habitudes et ça n'a pas été brisé? Je dirais non. Et la nuit, ils ont mis le sang. Au milieu de la nuit, on entend dans le camp égyptien des cris. Quand l'ange de la mort est venu, il n'a pas vu dans la maison de Pharaon le sang que Dieu a dit de mettre. L'ange de la mort, parce que Moïse avait dit à Pharaon cette nuit-là, dans ton camp-là, il y aura des cris de tous les côtés. Pharaon a mis toute sa garde pour entourer son enfant premier-né. Mais l'ange de la mort est invisible. Il a pénétré, il a étouffé l'enfant. Les enfants du premier ministre, tous les enfants, jusqu'au premier mi-bas des animaux, tous sont morts. Chaque famille égyptienne avait un cadavre dans sa maison. Et cet ange de la mort, imbu, rempli du sang de ces Égyptiens-là, se tourne vers le camp d'Israël. Ces pauvres esclaves, sans armes, qui habitent dans des tentes, même pas des maisons en dur, des tentes. L'ange de la mort s'avance, mais l'ange de la mort est précédé d'abord par Dieu lui-même. Quand Dieu va dans le camp d'Israël, quand Dieu regarde chaque tente, Dieu voit le sang. Dieu passe et laisse la place à l'ange de la mort. Quand l'ange de la mort arrive à la première maison, l'ange de la mort sait que dans cette maison-là, il y a un enfant voyou, il y a un brigand, tout. Il a foncé, quand il a vu le sang, il a été paralysé. Écoute-moi tranquillement ce soir-là. Il faut que tu prennes la vie chrétienne au sérieux. Ce n'est pas une affaire de venir chanter, danser. C'est une affaire sérieuse, c'est une affaire de vie.
L'ange de la mort a passé à la deuxième maison intacte. L'ange de la mort a visité toutes les maisons du camp israélite. Même pas un chien n'a aboyé. Même pas. Il n'a pas pu toucher à un chien. Tous les chiens étaient sous les tentes. À cause du sang. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous à revenir à nos anciens sentiers. Aide-nous à revenir au christianisme. Christianisme normal. Qui a cru? Qui a reconnu? Qui a reconnu? Et ce sang qu'ils ont placé sur eux, si vous voulez vérifier, vérifiez et lisez avec cette marque du sang-là. Lisez-la dans Néhémie. Plus tard, dans le psaume 105, le psaume 38, lisez tout. Ce sang qui les a couverts là, ils ont traversé tout le pays d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge sous le sang. Parce que là où il y a le Saint-Esprit se meut. Dès que le sang est appliqué, il est dit la colonne de nuée, la colonne de feu a commencé à les suivre dans leur cheminement. Aucun d'entre eux n'a eu les vêtements usés, les pieds ne sont pas enflés, il n'y a aucun malade, je vous défie, les malades ont commencé simplement quand ils se sont rebellés et qu'ils ont été mordus par les serpents brûlants. Aucun n'a été ni de maux de tête ni rien à cause du sang. Lisez la Bible avec suite. Ne prenez pas quelques versets à gauche, à droite pour lire. Lisez la suite. Personne n'a tué les Israélites au désert. Aucun pharaon, ni aucun soldat, aucun n'est mort à la guerre. Tous sont morts par rébellion à Dieu, à sa parole. Tous sont morts à cause de leur propre rébellion vis-à-vis de Dieu. Personne ne les a tués. Aucun Israélite n'est mort dans le désert. Aucun. À cause de pharaon, ou à cause d'une maladie, ou à cause de quoi que ce soit. Tous ceux qui sont morts, parce qu'ils ont dit non à Dieu. Ils n'ont pas reconnu le message. Chaque fois que Dieu donne un message, ils n'ont pas reconnu. Quand Dieu, ils ont commencé à pécher et que les serpents les mordaient, le même Dieu donne encore une parole. Il dit, Moïse, dresse le serpent derrière. Vous voyez, Jésus-Christ est dans toute la ligne. Dans Exode 12, l'agneau, c'est Jésus-Christ. Sur le serpent derrière, c'est Jésus-Christ. Amara, le bois qu'on a jeté dans l'eau, amen, c'est Christ, le bois du calvaire. Partout on voit Jésus-Christ, le rocher qui a fait jaillir l'eau, c'est Christ. On ne doit pas le frapper des fois. Moïse l'a frappé, il en a eu pour son compte. Dieu au sérieux. Vous avez beau être ami de Dieu, si Dieu dit une chose, vous ne le prenez pas au sérieux, il vous met de côté. Qui a cru à ce qui nous est annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Nous sommes devenus chrétiens pour avoir des bénédictions. C'est plus que ça, frères et sœurs. Nous avons plus de la valeur que des bénédictions. Le monde a des bénédictions plus que nous. Si nous sommes devenus chrétiens, que ce n'est pas des jeûnes et de la prière qu'on doit avoir des voitures, alors vont me quitter parce que le monde a plus de voitures que nous. Si c'est pour avoir des habits, le monde a plus d'habits que nous. Si c'est pour avoir des places, le monde a plus de places, de positions social que nous. Le christianisme, ce n'est pas ça. C'est une relation avec quelqu'un. C'est une famille dont Dieu est le Père. Ce n'est pas pour avoir des bénédictions. Quand j'étais dans le monde, j'étais directeur général, j'étais vice-président de la chambre de commerce, j'avais de l'argent, j'avais toutes les positions, mon ami. Si c'est à cause de ces bénédictions-là, je n'aurais jamais dû quitter le monde pour devenir chrétien. Mais j'ai quitté toutes ces richesses, cette gloire-là, vraiment dans la joie pour être pasteur. Je ne prie pas pour avoir de l'argent. Dieu m'a dit, cherche le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste, il vous le donnera. Et Dieu appelle ce qu'on appelle bénédiction, Dieu appelle ces choses. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Dieu n'appelle pas sa bénédiction. Dieu appelle ça, ces choses vous seront données. Quoi? Les voitures, c'est des choses. Les bâtiments, c'est des choses.
qui a cru et qui a reconnu. Les premiers chrétiens vivaient sur ça. L'église de Moïse vivait sur ça. La plus grande église avait 2 millions de membres, sans compter les femmes et les enfants. L'église de Paul vivait sous le sang. L'église de Pierre, sous le sang. L'église primitive, sous le sang. C'est en 325, au concile de Nicée, qu'on a commencé à mépriser le sang. Et ensuite, sous le Moyen-Âge, on a méprisé le sang. On a trouvé que c'est un peu sauvage. On a trouvé qu'il faut moderniser. Il faut amener d'autres choses à la place du sang. L'église moderne, l'église de Pentecôte qui a commencé avec le réveil des Azusa Street, a remis l'accent sur le sang. Les premiers pentecôtistes, comme les papa Jean, ils ont mis l'accent sur quoi? Le sang, la puissance du sang qui purifie, qui libère les gens. Et l'église d'aujourd'hui met l'accent sur autre chose que ce que Dieu regarde. Dieu dit, je veux voir le sang. Il n'a pas dit pendant 300 ans, il n'a pas dit pendant 4000 ans. Dieu veut voir le sang en permanence. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, quand il est ressuscité et que Marie voulait le toucher, il a dit, ne me touche pas Marie, je ne suis pas monté. Vous savez que Jésus-Christ est monté. La Bible dit dans Hébreux 9 et Hébreux 10 qu'il est monté. Il a présenté son sang même à la porte du ciel. Jésus-Christ ne pouvait plus retourner au ciel sans ce sang-là. C'est le sang qui a ouvert la porte pour qu'il rentre au ciel. Frères et sœurs, prenez ces choses au sérieux. Lisez la Bible avec suite. Ne prenez pas, ne jouez pas aux choses, cherchez quelques versets ici à gauche, à droite. Ce n'est pas une loterie. Voyez ça et vous allez voir que votre vie, vous ne serez plus tourmenté par ces petits esprits qui tourmentent les gens. Quand les gens me disent, mais je suis tourmenté par les esprits de la nuit, comment quelqu'un qui a Christ en lui, comment quelqu'un qui a le grand tout-puissant Saint-Esprit en lui, comment les démons vont venir le tourmenter? Je ne comprends pas ça, moi je ne comprends pas ça. C'est comme si vous disiez, excusez-moi, c'est comme si vous disiez qu'un petit voleur de quartier peut aller tourmenter l'Élysée. C'est possible? Hein? Un petit voleur de quartier qui tourne dans le quartier, il va aller tourner vers l'Élysée. Il ne pourra même pas atteindre. Tu es le siège de Dieu. Tu es la maison d'habitation du Saint-Esprit. Comment un petit démon délinquant et qui se tourne autour de toi et il vient et tu es là, tu es assis, que, ah, Seigneur, dis-lui, tu ne vois pas la marque du sang sur moi? Je suis déjà racheté par le sang de... J'appartiens, la marque du sang est sur moi. La marque du sang est sur moi. Je suis déjà marqué. Frère, croyez ça. C'est l'ABC de l'évangile comme ça. C'est l'ABC. Sans ça, on ne peut pas aller. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Mais ce que je vous dis, quand Moïse a fait cela, il a été libéré, totalement libéré. Et je peux vous dire simplement qu'aujourd'hui, que le sang que Jésus nous a, le sang que Christ nous a donné, non seulement nous purifie de toute iniquité, quand notre conscience est chargée, Hébreux 10 nous dit, quand notre conscience est chargée, alors quand nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier et que notre conscience est libérée encore. Notre conscience est libérée pour être conscient de la présence de Dieu, pour encore voir que Dieu est réel, Dieu nous aime. Satan veut nous faire croire que Dieu ne nous aime pas. Et quand nous croyons cela, c'est parce que notre cœur est chargé d'une mauvaise conscience. Mais dès que nous confessons nos péchés et que notre cœur est libéré de cette mauvaise conscience-là, l'amitié avec Dieu devient facile. On ne doute plus de l'amitié de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous exhorte. Il dit, mes enfants, confessez vos péchés les uns aux autres. Confessez vos péchés, car je suis fidèle et juste, non seulement pour vous pardonner, mais pour vous purifier de toute iniquité. Il dit, par ce sang-là, je vous ai donné la victoire. Apocalypse 12, verset 10 et 11. Il dit, celui qui vous accuse là, par le sang de Christ Jésus, je vous ai donné la victoire sur votre ennemi. Apocalypse 12, verset 10 et 11. Je vous ai donné, j'ai vaincu. Ils ont vaincu Satan. Moi, je l'ai dépouillé. Je l'ai livré en spectacle. Colossiens 2, verset 9. Je l'ai livré en spectacle. J'ai vaincu Satan. Quand on dit qu'il a vaincu Satan, on n'a pas dit que Satan est mort. Satan n'est pas mort.
Mon ami, Satan n'est pas mort, il est vaincu. On lui a retiré tout ce dont il a pour te créer des problèmes. Il n'est pas mort. Hein? C'est pourquoi il continue à tourner autour de toi. Il est maintenant, il utilise sa ruse. C'est par sa ruse qu'il fatigue beaucoup de gens. La ruse, la séduction, la tromperie qu'il fatigue les chrétiens. Il ne peut plus te détruire, mais il peut te détruire indirectement par des ruses, des tromperies, des séductions. Il peut te mentir, parce qu'il est menteur, n'oublie pas. Il peut te mentir. Et toi-même, tu te détruis. Alors, puisque Jésus dit qu'il a vaincu Satan, et que nous avons vaincu Satan, nous devons accepter cette vérité-là. Parce que le sang est toujours par rapport à trois personnes. Dieu lui-même, Dieu veut voir le sang. Le sang, c'est par rapport à Satan, deuxième personne. Le sang a vaincu Satan, troisième personne, c'est toi. C'est toi l'arbitre maintenant. C'est toi l'arbitre. Si tu acceptes le message que Dieu a donné sur le sang, alors chaque fois, Dieu est de ton côté et Satan de l'autre côté. Tu es l'arbitre. En croyant au sang de Christ Jésus, en plaidant les mérites du sang de Christ Jésus, alors tu pourras à tout moment protéger ta famille, protéger tes enfants, comme les gens de Moïse l'ont fait. Aucun des enfants israéliens n'a été tué. Tu es capable aussi de protéger ta famille, de libérer ta famille de toute cette emprise-là, de cette attaque satanique-là. Tu es capable de briser le sceau de l'ennemi sur tes enfants. Tu es capable de briser ceux qui sont sous cette emprise, sous ton mari qui est sous ce truc de pornographie-là. Tu es capable, ma sœur, régulièrement, d'imposer les mains sur son oreiller et de dire non, je refuse que ce mari-là, ce père de famille. Oh, j'ai rencontré un homme comme cela depuis 80 ans dans le Pas-de-Calais. Pas-de-Calais. Entre Lille et un homme de 80 ans qu'on m'a amené. Un ancien PDG d'usine là-bas. Mais il continuait à dormir avec des petits-enfants dans son lit. Les parents, les enfants étaient écœurés. Un homme de 80 ans. On me l'a amené. Je voyais cet homme-là, il était assis. Un homme, un noble, qui a de l'argent partout. Mais il était tenu par ça. Là, j'ai invoqué la puissance du sang de Christ Jésus sur lui. Il dit, est-ce que vous reconnaissez que Jésus-Christ est mort pour vous? Il dit oui. Est-ce que vous voulez être libéré? Il dit oui. Papa, est-ce que c'est normal qu'un homme de votre âge à 80 ans, il y a des petits-enfants qui dorment dans votre lit? Il dit non. Il dit, j'ai essayé par tous les moyens. Oh, une force. Quelle est cette force-là? C'est la force de Satan. Nous avons invoqué le sang de Christ, il a été libéré. On m'a amené un homme qui est plus grand que moi, mais un homme qui est sous dépression. Plus grand que moi. Quand il vient du travail, il s'assoit, là encore, au Pas-de-Calais. Il s'assoit, il ne parle à personne. Ses enfants sautent sur ses pieds, sautent à son cou, l'embrassent. Il est comme un monument. Sa femme ne fait que pleurer. Quand ils l'ont amené à cette réunion-là, j'étais assis dans le salon, j'attendais les gens pour prier. Il est rentré, il s'est assis comme ça, il me regarde fixement. Rien. Mais sa femme et ses enfants pleuraient. J'ai dit, non, qu'à sortir. Ils sont sortis. Je l'ai regardé. Il dit, j'ai commencé à parler Saint-Esprit. Je plaide les mérites du sang de Christ Jésus. Cet homme-là, il y a un esprit de dépression qui l'a pris. Dans 5 minutes, quand j'ai invoqué la puissance du sang de Christ Jésus, écoutez, frère, je peux vous donner des téléphones à ceux qui sont de ce côté-là. Ils vont vous dire, 5 minutes, j'ai appelé la femme, dit, venez voir votre mari. Ils sont venus trouver l'homme qui souriait et c'était un homme nouveau qui a changé. La puissance du sang de Christ Jésus. La puissance du sang de Christ Jésus. C'est pour vous, dans votre famille. Ce n'est pas une affaire de l'église, hein? Non, c'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. Prenez ça. Marchez avec ça. Pratiquez cela. Frères et sœurs, si vous faites cela, vous allez voir la grâce de Dieu. Vous allez voir la puissance de Dieu. Et nous sommes dans l'heure, parce qu'on doit terminer à 22h, mon frère, ma soeur. Et je vous dis encore, la même chose est pour vous chaque dimanche quand vous prenez la Sainte-Cène. J'ai vu le pasteur parler le dimanche passé quand on devait prendre la Sainte-Cène. J'étais content de tout ce qu'il a dit. Mais beaucoup de gens sont habitués à ça. C'était un simple rite.
dominicale, la Sainte Cène. Il a parlé, mais j'étais content. Mais plusieurs n'ont pas tendu l'oreille. Ils sont venus. Écoutez, frère, quel est le lien qui te lie? Je te dis encore, je te répète. Le petit bout de cigarette qui te lie là, écoute-moi. Le petit bout de cigarette qui te lie et qui te maltraite là, si honnêtement, toi tu prends la Sainte Cène le dimanche. Ce sang, le sang d'un agneau animal. Jésus te dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance. Ceci est mon corps brisé pour vous. Si tu prends, mais malheureusement parfois c'est rapide, demande à ceux qui prennent le jour. Et si tu prends, tu te prépares. Au moment où tu prends le corps brisé de Christ et le sang de Christ là, au moment où tu bois ça, proclame qu'aujourd'hui c'est ma délivrance. Parce que le sang qui a coulé à la croix de Calvaire là, a libéré ceux qui étaient à la croix de Calvaire et tous ceux qui ont eu. Et le sang va te délivrer. Je vous assure, si vous partez pour fumer encore, vous serez malade. Jamais, plus jamais, vous allez toucher à la cigarette. La même chose pour la drogue et l'alcool. Croyez simplement. Je ne condamne pas, mais je vous donne le moyen simplement pour être libéré. Je vous donne le moyen pour être libéré. On écrit sur les paquets de cigarettes maintenant, au vu, aux yeux de tout le monde. Fumer, ça tue. C'est écrit noir sur blanc sur les paquets de cigarettes. Comment je vais, on me dit que ça tue. Comment je vais continuer à faire ça? On me dit que je suis en train de me tuer. J'ai l'occasion qui est là, chaque dimanche. Les pasteurs sont là, ils me donnent la Sainte Cène. Je prends ça par la foi et je proclame que je suis délivré de l'addiction, de l'habitude de la cigarette. Et c'est fini. Frère, n'attendez pas que les pasteurs viennent prier pour vous. Ils vous donnent un moyen excellent. Baissons la tête ce soir. On va s'arrêter là. Pas besoin d'aller plus loin que ça. Je crois qu'à force de trop parler, on risque de trop pécher. Donc, il faut mieux m'arrêter là. Voilà. Seigneur, nous te remercions ce soir-là pour ton peuple. Quels sont les liens, vous qui suivez à l'internet maintenant, quelles sont les mauvaises habitudes, quels sont les esprits impurs, les esprits de déviation sexuelle, les addictions pornographiques, toutes ces choses, l'alcool, la cigarette, la drogue qui vous tient, que vous soyez sur internet, que vous soyez ici, dans cette salle-là, si ce soir, vous plaidez les mérites du sang de Christ Jésus, Père, je plaide, mets ta main sur ton cœur, si toi qui es tenu par une habitude sexuelle impure, ne lève pas ta main, simplement mets ta main sur ton cœur, si tu crois cela ce soir, si tu es tenu par l'alcool, la drogue en secret, tes parents ne savent même pas, jeune fille, tes parents ne sont pas au courant qu'actuellement tu prends de la drogue, mets ta main sur ton cœur, Père, j'invoque la puissance du sang de Christ Jésus ce soir, et j'asperge la puissance de ce sang-là, par la foi, sur ces hommes et ces femmes, qui sont maintenant maltraités par ces esprits impurs, ces mauvaises habitudes. Je réprime maintenant, dans le nom de Christ Jésus, ces esprits impurs. Je commande esprit d'addiction pornographique, esprit de masturbation, esprit de lien de cigarettes, d'alcool et de drogue, esprit de mauvaises habitudes et de colère violente qui fait que tes enfants ont peur de toi. Je te réprime ce soir. Dans le nom de Christ Jésus, Père, j'asperge la puissance de ce sang sur ces cœurs ce soir-là. Que tout ce qui tient ces cœurs liés soit brisé et que toute la gloire revienne à toi. Merci Père pour cette grâce de délivrance ce soir. Dans le nom de Christ Jésus, j'ai prié et que toute la gloire soit au Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dites amen au Seigneur. Amen.